Comment ça va les artistes, mesdames et messieurs? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien. Je viens de terminer la première vidéo arène. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Directement, on va continuer le rush Unreal. Il est actuellement 12h40. YouTube, on pense bien sûr au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. La petite cloche de notification seulement si vous êtes abonné. On est toujours en road 1 000 000 d'abonnés. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et directement, c'est parti pour le gameplay. Ok, nous sommes actuellement platine 1. L'objectif de cette vidéo, ce serait soit de passer diamant, soit de faire au moins un top 1 en platine. Au moins un top 1 en platine. Comme ça, on essaye de faire un top 1 dans chaque division. Ce serait plutôt pas mal pour la série. En tout cas, accrochez-vous. C'est parti, mon kiki. Normalement, en platine, ça devrait aller. On va continuer de jouer, d'essayer de jouer des kills. Et le Ratus, voilà, le Ratus, on va commencer à faire le rat en diamant, voire même en élite. Je pense qu'en diamant, ça devrait être détente, je sais pas du tout encore. En général, je fais pas trop d'arènes en début de saison, c'est une des premières fois que je le fais dès le début de saison. Mais là, pour le moment, ça va. Franchement, en gold, ça allait, j'avais pas l'impression d'être ailleurs, j'étais bien en gold. On s'est bien amusé, en tout cas. Allez, c'est parti, mon kiki. Let's go. Franchement, par contre, ça va. Si vous n'avez pas vu, donc je me répète, hein, excusez-moi, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Mais j'ai mis une heure, spoiler alerte, attention, j'ai mis une heure à passer platine. Donc là, on commence le début d'après-midi. Franchement, si je geek vraiment comme un gros poney et je continue comme ça, il y a moyen ce soir, je suis déjà élite. Parce que ça monte vraiment très vite, hein. J'ai fait seulement 4 games, frérot, et en 4 games, j'étais platine. Magnifique, donc là, je pense que ça va être pareil. En fait, c'est juste le diamant. Le diamant, je me pose la question si ça va aller aussi vite ou non. Mais là, normalement, en platine, c'est détente aussi. Normalement, ça devrait le faire. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Direction Grand Glacier pour récupérer le sniper. Et ensuite, on rôde autour de Olympe. Ok, y a pas de coffre ici, et y a pas de coffre là-bas. J'ai que des popos, j'ai pas d'armes. S'il y a un mec qui débarque, je suis mort. Impeccable, y'a personne. Oh là là, mais frérot, c'est impeccable. En fait, j'ai racheté Grand Glacier, frérot. Voilà. Si vous voulez que je vous dise la vérité, les gars, j'ai dépensé tout l'argent que j'ai gagné grâce au code Swen pour racheter ce magnifique manoir à Grand Glacier. Et au moins, j'ai la paix, je suis tranquille. Petite touche de piano et tout en déteinte. Impeccable. Ok. J'allais dire, ouais, deux fois d'affilée le viseur que j'aime, ça aurait été un peu trop beau pour être vrai. Bah, je vais te reprendre un, hein, du coup, madame. Parfait, magnifique, j'en demande pas plus. Et bah, du coup, j'en ai deux. Oh, quoi qu'attendant, j'ai une PM. La PM, je vais pas l'utiliser dans tous les cas. Hop, impeccable. Allez, let's go. On a deux réputes, donc ça suffit à jouer les fights. Donc, de toute façon, tant que j'ai des... Parfait, il suffit de demander. YouTube, on pense au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. J'adore. En vrai, tant que j'ai au moins une répu, je suis chaud à jouer les fights. Par contre, si j'ai pas de mobilité, moi, je vous conseille pas de jouer les fights, les gars. Si vous avez pas de mobilité, ne jouez pas de fight, parce que sinon, vous allez être dans une PLS totale. Vous allez peut-être gagner votre fight, mais derrière, vous allez vous faire back. Et quand vous allez avoir un pigeon royal qui vous saute dessus, ça va vous faire bizarre. Et je vais essayer de vous donner des petites astuces de temps en temps. Les petites astuces de Sweetito. Ok, alors là, ça se tire dessus. Vas-y, bouge pas, toi, mon pote. Non, dommage, je suis une quiche. Je suis vraiment une teub. Magnifique. Donc la balle la plus dure, je la mets, et les deux plus simples, je ne les mets pas. Va comprendre. Dommage. Let's go. Premier kill en platine, c'est fait. Les deux balles les plus simples, je ne les mets pas. La balle la plus dure, sans le viseur, j'arrive à la mettre. C'est de la science-fiction, frérot, je ne comprends pas. Et alors lui, il tirait sur un mec en bas. Donc on va rester sur le qui-vive. Ça fait quand même cher le kill, deux répulsives. J'aurais peut-être dû en utiliser qu'une, j'ai peut-être été un petit peu impatient, mais c'est pas très grave. Tant qu'on en a au moins une. Oula, attends, mais on l'a vu lui. Oh, ok, j'ai bien pris mon temps pour l'aligner. Heureusement que je me suis pas planté, parce que sinon c'était la mort assurée. Ok, let's go. C'est bon, c'est pas grave. Il y avait un kit en haut, on va pouvoir aller le prendre. Ça faut vite boire, parce que là, si on prend une balle de snipe, on est mort. Ok, et le kit, il était là. Impeccable. On est déjà 2 kills. Première game, 2 kills. Top 50, c'est parfait. Les ailes, je vais éviter de les prendre parce que, en vrai, si tu commences à être. Si t'as des ailes, il y a un moment donné, tu vas forcément être impatient et tu vas les mettre. Tu vas les mettre pour pouvoir rota plus vite et compagnie. Et c'est à ce moment-là que le Ratus va sortir de son bush et te mettre la petite balle de sniper qui va t'enquiquiner, vu que le heal, c'est très compliqué cette saison. Franchement, les ailes, moi, personnellement, je vous les conseille pas. Ou alors, vraiment, en dernier recours, tu vois, juste pour les dégâts de chute. En fait, juste pour esquiver les dégâts de chute, quoi. Sinon, je vois vraiment pas l'utilité de les prendre en arène. Je pense que les répulsifs, ça reste vraiment bien au-dessus. Bien plus sécurisé, en tout cas. Ok, il y a clairement un mec, là. Il y a clairement un mec qui a pris la tyrolienne. On va y aller en sneaky boy. Il doit pas être très loin. Comment ça se fait que j'ai entendu un bruit de tyrolienne, mais que j'y a personne? Ok, bizarre. Et du coup, j'ai la flemme, mais faut que je le refasse. Faut que je refasse le tour. Faut que je refasse le tour, parce que de cette position-là, il y a les nuages qui bloquent. Du coup, on voit rien et on peut aligner personne. Et là, attention, parce qu'il doit y avoir un maximum de ratus. On connaît ce spawn. Ah, dommage. Ok, ça se tente. Non.
J'ai plus de balles, faut pas que j'utilise mes balles n'importe comment. Ok, lui faudrait qu'il se pose et que je l'aligne. Vas-y, pose-toi juste pour bien le viser. Je suis vraiment une teub, mais comment je fais pour rater les balles les plus simples à mettre? Ok, il l'a dévoré. Je peux peut-être récupérer. Apparemment non. Où c'est qu'il est passé là? Je pense dans le bush ou derrière le caillou. Faudrait qu'il saute avec son aigle, parfait. Et que je l'aligne vite. Non, je suis une teub. Non mais comment je fais pour mettre les balles les plus compliquées et les plus simples et ratées, frère? Je ne comprends pas. GG Code Swain. Reste là. Ok, en fait c'est pas si évident quand le mec il esquive. C'est pas si évident de la mettre quand le mec il esquive. Non, par contre ça, il faut absolument que je le récupère. Il doit être un PV le poteau. Il faut que je lui saute dessus et très rapidement. Il doit plus avoir beaucoup de vie. J'entends. Nice. Impeccable. Par contre là j'ai plus de balles. Là j'ai plus de balles du tout. On va peut-être faire recadrer. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça, on va récupérer, ça peut aider. Comment je me débrouille là? J'ai plus de balles. Faut que je le joue intelligemment lui. Faut que j'attende qu'il remette ses coups de L et que je le défonce quand il est en l'air. Avec l'air, ce sera peut-être plus simple. Mais là, j'ai plus de répu, j'ai plus rien, j'ai pas trop envie de fight quoi. J'ai clairement pas envie de fight du tout même. On va le laisser faire son médaillon tranquille, on va aller chercher les balles au bunker. Je sais pas s'il envisage de faire le médaillon, mais moi, c'est mort, je le ferai pas. Comment ça souffle ça? Vas-y, ouvre-toi frérot. Oh! Bah, il suffit de demander. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ok, dis-moi qu'il y a moyen de récupérer des balles de snipe là, par pitié. Ok, lui, décidément, il veut me récupérer. Hein. C'est barré en l'air? Non, dommage. Magnifique. Oh là là, le code Swain qui carry encore une fois, mon petit. Parfait. Lui, contre venir encore, là? Il s'agirait de doser, frérot. Hein. Je t'ai mis suffisamment de pipines pour que tu te dises dans ta tête, vas-y, c'est bon, je le laisse tranquille, lui. Ok, let's go. Là, niveau stuff, on est bien. Ah ouais, c'est encore lui qui me chasse. Hein. Lui, il veut se battre. Hein. Oh, il y a un autre mec. Ah non, c'est le bot. Oh, j'ai eu trop peur. C'est le bot, en fait. C'est le bot qui a changé d'arme. Il m'a fait trop peur. Est-ce que je l'attendrai pas, le mec avec ses ailes, là? Qui, depuis tout à l'heure, il me harcèle. Ok, il se barre en voiture à l'opposé. Dommage. Par contre, lui, il faut vraiment que je le sache. Putain, je lui ai mis je sais pas combien de dégâts, frérot. Il est toujours pas tombé. Hein. Je sais pas combien de heal il a sur lui. Mais c'est une vraie pharmacie, le poteau. Ok, parfait, d'effort. Ça, ça va m'arranger. Il est à l'opposé tout là-bas. Est-ce que. Ah, mais attends, le train, faut que je le récupère. Ça donne des puntos, non? Je sais pas du tout si ça donne encore des points, le train. Mais écoute, hein. Dans le doute, on va l'activer. On est à côté. Ok, parfait. Ok, top 17. On a 4 kills. On est très bien. Il y a que les médaillons de en haut à gauche qui ont été récupérés. Les deux de droite, ils ont pas été récupérés. J'aurais peut-être dû prendre des kills et aller les récupérer en vrai. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est notre première game en platine. On va essayer de l'assurer. Tant pis pour les médaillons. Par contre, là, je suis vraiment en détente totale. Je suis en train de rota en plein milieu d'une route, frérot. J'ai pas de mobilité. J'ai rien. Bon, j'ai 4 forts qui peuvent m'être utiles, mais c'est tout. Oh, j'ai oublié de modifier mon snipe. Oh, quel boulet. J'ai oublié de modifier le sniper. Et là, il y a la clé de la météo. Attends, mais la météo, bah oui, ça donne des puntos. Je vais aller la récupérer. Si ça, c'est la clé de la météo, je jette mes petites potes, je récupère. Après, il y a peut-être un mec dans le bush. Hein. Attention. Et là-bas, il y a un truc pour modifier. Est-ce que j'irai pas modifier mes armes? J'ai des grenades en plus. Si jamais il y a un mec qui campe dedans, je peux le déloger. Ah, oh, j'aimerais bien modifier mon snipe quand même. On va y aller. On va y aller, même si ça donne pas trop envie. Il y a un fort devant. À tout moment, il y a un mec qui est dedans. Mais pour mon sniper, je suis prêt à tout. Ouais, le fort, il est bien posé en plus. Hein. Le fort, il a été posé par un professionnel, je reconnais. Ok, donc normalement, il n'y a personne. Hein. Ok, parfait. On va modifier donc ça pour la poignée. Impeccable. Et ça, je vais garder viseur x4. Et la poignée, en plus, ça peut être pas mal. Ok, nickel. Donc là, j'ai un stuff plutôt pas mal. On va prendre le flobet aussi, impec. On a 4 forts, un flobet. Pour la fin, on est vraiment bien. En plus, j'ai la météo, donc je vais pouvoir pré-shot les prochaines zones. Nickel. On va essayer de se mettre directement dans les deux prochaines. Faudrait que je trouve un bush qui est dedans. Il y a les deux médaillons là-bas, ils vont se friter, c'est nickel. On a la météo pour les prochaines zones, c'est parfait. Alors, j'avais dit que je jouais pas le Ratus, mais malheureusement, changement de plan. On va jouer le Ratus. Ah, ça y est, il m'a énervé. En fait, là, il n'y aurait pas eu le problème du latex du début, là, à qui j'ai mis au moins 500 dégâts et qui est pas mort. J'aurais pas tryhard comme ça, mais là, frérot, je peux pas partir de cette game sans l'avoir buté, ce mec-là. Il faut que je le détruise. Oh, il a pris je sais pas combien de balles, il est toujours en vie, et en plus, il me narguait, il voulait se battre. Ok, prochaine zone, elle sera devant moi, donc c'est nickel. J'aurai juste à rentrer dans le bat. Ah, niveau position, là, je suis trop bien. Faut juste que je fasse gaffe derrière moi, du coup, mais je crois qu'il y a personne. J'ai bien l'impression que tous les mecs, ils sont en face en train de chasser les deux médaillons. Peut-être un avantage aussi, ça, un petit astuce de Swainito, si vous voulez être discret, ne prenez pas les médaillons. Ça, après, je pense, j'ai pas besoin de vous le dire. Oh, attends, c'est lui.
Oh attends, c'est lui que je chasse depuis le début là. Ok, 116 encore. Oh décidément, mais frérot, c'est un tank. C'est un tank le frérot là. Il meurt jamais. Ok, encore. C'est trop grave. Frérot, je lui mets des 116 à tire larigot. Il continue de m'envoyer des pipines. Non mais encore, frère, c'est bon, il faut crever. Ok, on distribue. On en a pour tout le monde. Ah, c'est... merci. Oh frérot, ça y est, faut doser. Et je lui ai mis je sais pas combien de balles. Des répus en plus, parfait, magnifique. Dis-moi qu'il en a 6, 4, ok, ça fait le taf. Et devant, c'est en train de se tatane, on peut peut-être récupérer. Ouais, non, on va rien récupérer du tout, vu qu'on n'aura pas la vision. Par contre, là, le problème, c'est que dans mon bat, il y a probablement un mec qui est déjà dedans. Et ça, ça m'arrange pas trop. Parce que si je rentre dedans et qu'il y a un mec, ça va me surprendre. Après, ça va, j'ai les flobelles, j'ai d'huile. Ok, et la prochaine zone, elle va revenir sur moi. Ça, c'est nickel. Mes forts qui vont peut-être carry pour la fin. J'ai pas la zone, mais je suis vraiment pas loin. Il y a clairement un mec qui est dedans. Il y a clairement un mec qui est dans ce bat. Il est où? Aïe. Ok, dommage. Ça va, on a les flobets. On va pouvoir se mettre full. Oh, c'est dommage parce qu'il sort pas avec beaucoup de vie, le frérot là. Il s'en sort avec pas beaucoup de PV. Hein. J'aurais peut-être dû garder l'effort à la place des répulsifs. J'ai l'impression que ça va jouer beaucoup dans les battes et compagnie. Lui, on va le faire s'en aller. On est très bien sur la hauteur là. Il y a clairement un mec qui est juste en dessous de moi. Toi, tu restes là. Aïe, c'était pas le bon plan ça. C'était pas le meilleur plan. J'ai perdu beaucoup de PV sur ça. Je suis vraiment idiot. Ça change pas. Et là, à l'intérieur, c'est en train de se friter. Hein. Il y a beaucoup de mecs dedans. Les légumes, ça me donne envie, mais malheureusement, on va pas pouvoir aller la chercher. Dans la gare, il y a un mec. Et là aussi, il y a un autre mec. Est-ce qu'il aurait pas envie de me montrer sa belle petite tignasse, le frérot là? Ok, on va directement aller dans notre magnifique fort qui est superbement bien posé. Bien évidemment, c'était fait exprès. Pas du tout. Oh attends, est-ce que le bush il est en zone? Le bush il est en zone. Ok, je préfère le bush. Quoique, non, il est à l'extrémité de la zone. Mais je préfère rester dans le bush, comme ça au moins personne peut aller dedans. Et ensuite je vais dans le fort. Nice. Non, je voulais essayer de viser dans le petit trou, j'ai pas réussi. Dommage. Ok, c'est en train de se friter à l'intérieur, c'est parfait. Enlevez-vous votre vie. Nice. Ah ouais, ça carotte mes forts, je reconnais. Ok, ça c'est un bot. Je me suis bien fait avoir comme un amateur. Ça va, il y a de la petite popo, il y a les flobets. Ça passe. Je vais en garder 5 pour la prochaine rota. Ok, donc il y a un mec là-dedans. Oh, non. Non, je l'ai pas vu. Il a un kill. Le Ratus. Zeus. Ok, ça va. Pour une première game en platine, ça va. Au moins, on aura mis des pipines. Hein. On aura mis beaucoup de balles sur cette game. Ouh, la vache. Allez, envoie mes puntos, s'il te plaît. Oh ouais, ça va trop vite. Oh ouais, mais frérot, ça va trop vite. Oh, mais à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, je suis diamant. Attention, à la fin de cette vidéo, on sera diamant. Attention. Allez, c'est reparti mon kiki. Il nous reste encore 3-4... En tout cas, si on fait des games comme ça... En fait, soit il faut que je meure dès le début, soit quand j'arrive dans le top 5, il faut que je valide mon top 1. Il faut absolument que je fasse top 1 en platine. On est reparti. Alors, je viens de perdre 10 minutes. Voilà, je préfère le dire, il est 13h14. J'ai perdu 10 minutes avant de relancer la game. Je suis allé voir le mec à qui j'ai mis une pipine, la Twitch. Frérot, malheureusement, il regarde pas son chat. Voilà, malheureusement, il regarde pas son chat. Et j'ai fait un sub et tout, mais il regarde pas. Donc, tant pis, j'aurai pas sa réaction. Dommage, dommage. En tout cas, c'est pas grave. On est reparti, mon kiki. Deuxième game. Et tu sais quoi, histoire de changer un peu, est-ce que j'irai pas. Non. Non, 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 en fait, non. Non, en fait, je vais continuer d'aller à Grand Glacier. C'est très bien, frérot, il y a le sniper. On va continuer Grand Glacier. Désolé si vous en avez marre. Moi, j'en ai pas ras-le-bol. Après, je sais pas s'il y a un autre endroit où, genre, il y a un bot qui a un sniper. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, comme ça, ça permettrait de changer un petit peu. Mais si le bot là, il est plus là, je pense que l'île du papy, ça m'étonnerait que le bot il y soit encore. J'y suis pas encore allé, faudrait que j'aille voir. Ok, il y a clairement un mec qui y va, par contre, et il est bien avant moi. Il va falloir être sur le qui vive. Il y a un lama à gauche, ok, ça c'est bon à savoir pour le heal. Il va spawn direct là, ok. Oh, et attends, il a l'air de. Ah oui, je suis sur Server Europe, j'ai 0 de ping. Ouais, il a l'air de bugger, de zinzin le poteau là. Let's go! Ok, premier kill, impeccable. Et en vrai, on va se faire plaisir. On va s'acheter un petit sniper quand même. Même si j'en ai déjà un, on va tenter le viseur. 300 gold. Ouais, vas-y, on est plus à ça près, hein, j'ai envie de te dire. Magnifique. Ok, au moins je l'aurais eu. Au moins je l'aurais eu. Ok, on va vite chercher du shield par contre. Et ensuite, on va aller à la castagne. Je sais pas s'il y a des gold ici du coup. Je croyais. Eh, si, il y a un petit peu de gold à récupérer quand même. Hashtag gratus. Attention. Les ailes, je vais les prendre au cas où pour éviter les dégâts de chute. Mais je pense pas que je les déploierai. Ok, des balles de snipe, c'est nickel. C'est ce qu'il nous faut. Par contre, là, ce qu'il nous faudrait aussi, c'est du shield et assez rapidement parce que si ça me back, je suis dans la sauce. Ok, encore des balles de snipe, décidément. Décidément, ça fait plaisir de voir que le taux de drop des snipers est plutôt bien. Ça, c'est nice. Et c'est parti, on part à la chasse. Top 40 déjà. Ça se vide à une vitesse, par contre, en arène, c'est abusé. Je crois qu'en build, c'est encore pire. Je crois en build, première zone, il reste 20 mecs.
Donc en vrai ça va, on n'est pas à plaindre en nos builds. En bas ça a été récupéré, ici ça a été récupéré. Ok, il faut que je reste sur le qui-vive. On va prendre le pad pour essayer de choper des informations. Par contre ça m'arrange pas trop parce que je me serais bien mis full vie justement avec les bidons. Donc dommage. Attends, non, ça peut récupérer là-bas. Au niveau balle, je suis trop bien. Là c'est bon, je suis opérationnel pour la fin de game. Il me faudrait juste des répus à la limite à la place des ailes. Et là je suis on fire. Donc je crois vous mettez un coup de flobet. Vous prenez les ailes. Bon après je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Je pense que vous connaisserez déjà tous la strat. Mais normalement là on va très haut. Oh oui, oh oui, oh ouais, non mais frérot arrête-toi. Je vais finir je vais finir dans l'espace mon ref. C'est quoi ce délire? Mais attends, mais là je peux me mettre sur le casque Attends, en plus ça a été récupéré. Il y a le médaillon qui arrive. Le médaillon de Battlegrounds qui arrive. Oh si j'arrive à récupérer l'Olympe et Battlegrounds par contre on est trop bien. Je vais me poser là, hein, en détente. Si jamais je tombe, faut pas que j'oublie de mettre les ailes. C'est quoi, je vais sauter sur le toit. Voilà. Non, ça passe, non. Non, ça passe pas. Ok, et il y a des répus juste à côté. Bah go les répus. Il y en a déjà un ici. Je vais le tenter un wheel-in à lui. J'aurais peut-être pas dû. Je pense qu'il est en haut. Oh oui. Allez, ciao. Vite récupérer les ailes. On va se mettre le flobet. Je sais pas si c'est la bonne idée de rester ici en vrai. Hein. Du coup, on va se casser. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. C'est faire le boss et se faire récupérer par un rat. Donc, on va éviter de s'énerver parce qu'une fois que t'es énervé, bizarrement, tu joues moins bien. Surtout que là, j'ai un joli stuff. Donc, ça m'enquiquinerait vraiment de mourir, frérot. Un sniper avec full balle. S'il a pas bougé, normalement, il est en face. J'étais au-dessus et je l'ai entendu. Derrière le poteau là-bas, là, je pense. Clairement pas, il est juste là. Allez, allez, allez papy. Non, voilà, je suis obligé là. Non, fuck. Allez, mets tes ailes et sauve-toi. Ok, il s'est sauvé, mais où? Oh, je rate trop de kills là. C'est dramatique. En plus, je pense que c'était lui qui avait le médaillon. Je suis pas sûr du coup. Oh, j'aurais dû mettre un coup de flobet avant de mettre ma répu. Oh, je suis idiot. Ok, et c'était bien lui qui avait le médaillon. Non. Bah, en vrai, je vais le chasser, hein. En vrai, je vais le chasser, hein. Il avait pas l'air rassuré du tout. Oula, 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 oula. Attention, calme-toi, ça va bien se passer. Deux secondes, je suis en chasse, je viendrai pour toi après. Oui, c'est ce sniper ou... Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Ok, alors lui, où c'est qu'il est? Certainement caché dans les battes. Ok, vas-y, prends la tyrolienne, mon pote. Dommage, il a pas prise. Vas-y, quand faut y aller, hein. Il a pas l'air rassuré du tout. S'il me voit pas lui atterrir dessus, il y a peut-être moyen que je le surprenne. C'est parfait. C'est magnifique. Non. Nice. Et il veut pas lâcher son médaillon, hein. Mais retourne dans le ciel, s'il te plaît. Fais l'erreur de retourner dans le ciel avec tes ailes. Ok. Donc c'est qui, ça, qui m'a tiré dessus, là? Non. Non, c'est une blague. Oh, mais merde. Frérot, il doit avoir un PV, le poteau. Il doit littéralement avoir un PV. Et il est reparti. Oh là là, frérot. Ça va être infâme. Ok, ça c'est pas le mec avec le médaillon. Ça c'est l'autre qui m'a visé tout à l'heure avec Zeus. On est déjà top 15. On est top 15, j'ai un seul kill. Depuis tout à l'heure, je cours après tout le monde, j'en ai marre. Ça, on va le prendre pour éviter le dégât de chute. Et là, il y a tous les ratus qui vont débarquer. Nice. Allez. Ça c'est mon kill. Et ça, c'est mon deuxième kill. Impeccable. Allez, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche et pas que je perde trop de vie. Nice, parfait. Non. Non. C'est que le début. Ok, bah alors là par contre je me casse. Là je me casse vite. Parce que ça va me débarquer dessus, c'est sûr, à 100%. Pas l'air de me débarquer dessus, hein. Oh, c'était satisfaisant ça. Eh, ça me tente pas trop de le faire là. Ça me tente vraiment pas trop de le faire là. Faut que je la joue malin là. Il faut que je la joue malin. Ok, il est redescendu. Je peux peut-être l'aligner là. Comment je rate ça? Nice. Oh non, la deuxième faut la mettre. What? Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et c'est pas le mec avec le médaillon, hein? Le mec avec le médaillon, frérot, il doit être caché je sais pas où en train d'attendre, ce rat. Le problème, moi, c'est que j'ai pas la patience d'attendre. Zeus, tu veux pas lui sauter dessus, là? Ok, je vais le faire doucement mais sûrement. Là, l'objectif principal, c'est de pas se faire récupérer par le foutu ratus. Okay, nice. Hasta la vista, baby! Ok, là, par contre, j'ai une bonne position. Je suis en haut de tout. J'ai 5 répus. Hein, quoi? Ok, derrière moi. Vite. Non! C'est une blague. Nice. Nice. Allez, la dernière. Ok, j'ai 5 répus. J'ai 5 répus, on peut en utiliser une. Non, c'est une blague. Reste ici. En face, ça se bat.
Qui est dommage, j'ai raté les médaillons. Go se barrer loin, go vite remonter en haut. Qui je commence à comprendre un peu le délire des esquives. Je commence à légèrement comprendre le délire des esquives. Nice. Ok, il a les médaillons d'Hadès. Ça c'est bon à savoir. Par contre j'ai la position God. Là je suis en haut de tout le monde. C'est parfait. Il y a un mec dans la voiture. Faudrait lui péter sa voiture comme ça. Il vient pas nous enquiquiner le poteau là. Voilà, parfait. Bon, après j'ai la top hauteur quand même. Si je me pose là, j'ai la top hauteur. Mais il est contact à moi le frérot. Faudrait que je le défonce assez rapidement. Surtout qu'il a un bot, ça va être relou. Nice. Ok, let's go. Ok, c'est peut-être la game du top 1. Peut-être. J'ai 4 répulsifs, c'est parfait. Je suis full vie. Allez, let's go. Par où je peux passer là? Il va falloir que je remonte par en haut, hein. J'ai pas le choix. J'aimerais bien essayer de garder mes répulsifs pour vraiment la fin. Ok, je crois qu'il rota, je crois. Oui, il est en train de rota, magnifique. Là, je vais attendre que mon énergie, elle se remette au max. Ok, c'est en train de se battre devant, c'est parfait. Attirer l'attention. Je peux avancer. Et là, va pas falloir rater les balles, là. Doit y avoir un mec dans le coin, là, c'est sûr. Ok, il y a clairement un mec juste là. Nice. C'est les médaillons. Nice. Let's go. Non, je peux pas récupérer le médaillon. Je peux pas le récupérer. Allez. Ok, parfait. Mais on se casse. Tant pis pour le pompe. De toute façon, j'ai le meilleur pompe du jeu, là. Ok, je suis trop bien. J'ai la meilleure pause. Limite, non, faudrait que je monte en haut, là. Faudrait que je monte en haut pour check. J'ai 4 répus pour pouvoir rota tranquille. Il y a personne. Faudrait que j'arrive à en aligner un. Comme ça, avec le sensu, je me mets full. Allez, papy, tu vas le faire. Allez, papy. Où c'est qu'ils sont ces donne sarrasins, là? Putain, j'aimerais bien aller en haut. Mais c'est tellement quasiment sûr, à 100%, qu'il y a un mec qui est dans les deux bushs. Ça donne pas trop envie d'y aller, quoi. C'était sûr. Nice. Frérot, c'était plot en platine. Avec tout le respect, bien sûr. Le dernier poteau, où c'est qu'il est, le frérot, là? Peut-être dans la grotte. Moi, je pense plus qu'il est derrière un caillou. Ce gros caillou, par exemple. Ok, logiquement, il est pas en haut. Logiquement, il est pas en haut, sinon je le verrais, donc il doit être derrière le caillou. Il y a que là où il peut se cacher, le frérot. Ok, non, il est là. Grenade collante à la main. Oula, attention, il a un sniper. Nice. Il va mourir de la zone, là. Oui, crois-le. Le double choke. Il va mourir de la zone. Ah non, attends, il va aller dans la grotte. Oh non, il va aller dans la grotte, je crois. Par contre, s'il a la zone dans la grotte, ça va durer une heure, là, le fight, hein. Il va mourir de la zone, au final. Bah, GG. YouTube, on pense au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et la petite cloche de notification, seulement si vous êtes abonné. Top 1 en platine, validé. Et je crois en seulement 2 games, hein. Il me semble pas en avoir fait 3. Je crois en seulement 2 games, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on passe diamant sur ça? Je pense pas. J'espère pas, parce que là, sinon, ça va à une vitesse, laisse tomber. Ok, on passe même pas platine 3. Eh ben, impeccable. Il nous en reste encore un petit peu pour s'amuser. Vamos! Allez, on continue. Direction le diamant. C'est parti pour la troisième game. Est-ce qu'on se tenterait pas le back-to-back top 1? En fait, c'est normal, si j'ai pas pris trop de pourcentage juste avant, j'avais pas de kill. J'avais pas de kill, donc forcément, frérot, j'ai passé la moitié de ma game à chasser un mec. Super. Allez, celle-là, au pire, on va essayer d'assurer les kills. On va essayer de faire un maximum de kills sur celle-là. Oh là là, là derrière l'écran, vous êtes tous en mode oh my god, Swain change de spawn. Oh mon dieu. Attention, on promet rien. Voilà, directement, en plus, je suis contest. Oh, si je fais un retour au lobby juste parce que je change de spawn, là par contre, ça va barder. Et il y a fortement moyen que je le fasse. Ok. Et je vais le faire. Ok, je vais attirer le mec sur l'autre mec. Il y a d'autres gars là. Il y a d'autres mecs là. Ok, c'est ciao. C'est ciao, hasta la vista, baby. Ok, nickel, on a de la popo, on a un pompe. Attends, j'entends un coffre mythique là. Ok, non, dommage. Si, si, j'entends clairement un coffre mythique là. Il est où le coffre mythique là? Aïe, eh oui, c'était sûr. C'était sûr qu'il attendait que ça, le ratus. Alors là, par contre, de loin, je vais pas voir grand chose. Surtout qu'il a l'air d'avoir un snipe, le poteau. Ok, c'est clairement pas le bon plan de le jouer lui, mais on va le tenter quand même. Ok, il y a un autre mec en plus juste derrière. Je ne le voyais pas! Allez, vite, vite, dans la voiture! Allez, vite! Eh! Salut ninja, à la prochaine. Ok, mais c'est pour ça que je vais à Grand Glacier, les gars. Sans sniper, c'est compliqué de se fight. C'est toujours plus simple avec un snipe. Là, j'ai rien pour monter, j'ai pas de mobilité, j'ai... Ah, faut vraiment... C'est pour ça que je vais à Grand Glacier, mesdames et messieurs. Au moins, j'ai un sniper, je me sens rassuré et ça me donne envie de me battre. Là, j'ai rien pour engager le fight et j'ai rien pour me sauver si jamais je dois me replier stratégiquement. Du coup, je me sens pas à l'aise. Et voilà. Ok, magnifique, voilà. Il suffisait de ronchonner un petit peu. Bon, y a pas de viseur, mais c'est toujours mieux que rien. Je prends. Ok, bah voilà, il suffit de demander le viseur et on l'a. Du bon, pense au pouce bleu, ça fait plaisir. Oh, la chatte à Sweeney. Ok, il y a clairement un bot qui m'a scanné là. Il y a clairement un bot qui m'a scanné, donc doit y avoir un mec pas loin. Je crois que le scan, il venait de là, là. Oh, dommage. Oh, je dois pas la rater celle-là. Vas-y, remonte dans ta voiture. Et je vais essayer de le jouer intelligemment. Je vais passer par là sans qu'il me voit. Et je vais essayer de lui mettre un crâne rapidement. Est-ce que je peux viser? Ok, ça m'arrange pas du tout, ça. Ok, ça m'arrange encore moins, ça. Non! Oh, j'ai trop mal joué. J'ai beaucoup trop mal joué.
Oh, ils rendent fous ces mecs qui sont derrière des voitures et qui campent derrière des voitures là. Oh, je les déteste ceux-là. Parce que le truc, c'est que dès que tu leur mets une balle, hop, ils montent dans sa voiture et ils se cassent. Je perds des pourcentages, j'imagine. 88, moins 3. Place 33, moins 3, c'est un signe. Allez, c'est parti. Allez, il m'en faut pas plus pour comprendre. En plus, regardez, voilà, impeccable. C'est le jeu, c'est même le jeu qui me le dit, Suenito, va à ton spawn. Parcourir la distance dans la neige, pas de problème. Ça, c'est 5000 XP récupérés avec succès. En plus, premier spawn, nickel. Allez, c'est parti, direction le sniper. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans les alentours. Encore une fois, je suis tout seul. Eh, c'est bon, j'ai mon spawn d'arène, hein, frérot, hein. Personne ne vient, il y a un sniper automatique. Bon, ça coûte 300 gold quand même, attention, ça coûte 300 gold. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus, donc va falloir faire un maximum de coffres sur cette game. Alors là, j'ai 200 gold, parfait. Au moins, le calcul mathématique, il va être simple. Et quand je récupère tous les gold d'ici, je passe à 78. Ok, c'est toujours bon à prendre. Oh là là, je l'ai dit dans ma tête, j'aurais dû le dire à voix haute. J'allais dire, il me manque plus que des répulsifs pour pouvoir avoir un bon stuff. Je l'ai pas dit. Eh ben voilà, c'est pas grave. Quand je vous dis, il suffit d'y croire. Là, on a un bon gros stuff de puant. Si je mets une balle de snipe, j'utilise mes répulsifs et je saute direct sur le mec. La petite émote pour le défi. On en profite aussi, on va faire le défi des 250. Oh, le défi de Noobie, frérot. Putain, c'est free XP, ça, merci. Impeccable. 6400. Attends, comment ça, 6400? Normalement, c'est 5000, non? Eh ben nickel, moi, je prends. Chaque XP est bonne à prendre. Alors là, c'est pas loot, par contre. Ok, il y en a un. Il y a un mec là-bas. Il y a clairement un mec là-bas. Chier. Et là, par contre, du coup, ok, il aurait pu, donc laisse tomber. Ça sert à rien de le chasser, frérot. Le temps que j'arrive, il sera déjà très loin. Sniper plus 7 AR, je trouve c'est une belle petite méta. Même limite, prendre 2 AR. Et tu fais en mode double pompe. J'ai pas encore trop test ça, faudrait que j'essaye. Je vais sûrement vous faire une vidéo d'ailleurs, faire top 1 seulement avec des AR. Au moins, ce sera l'occasion de test. La nouvelle méta. Donc, il y a forcément du Ratus. Et viens là. Non, pas ça. Hello, motherfuckers! Impeccable. Le rat. Pas très malin, mais discret. Celui-là, il était pas très malin. C'est pas un rat de Paris. Zeus. Oh, bordel, il a Zeus. Et je le tente quand même. Ah. Alors ça, par contre, ça ne m'arrange. Mais alors, pas du tout. J'ai plus de répulsive. Super. Putain, il y a un autre rat. Allez, sauf qu'il peut. Ça a l'air d'être un fou furieux qui va me rush. Je vais attendre d'avoir le super shield. Et on va le jouer intelligemment. Oh, bordel. Non. Nice. Ok, nickel. Ça, on apprécie fortement. Allez, 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 allez. J'ai tout raté. Nice. Va falloir parler de cet AR à un moment donné. Hein. Non. Ok, ça va, j'ai pas pris trop de dégâts. Par contre, il est low. Non, mais c'est une blague. Frérot, t'es low, tu me rushes comme ça, espèce de fou. Y'a combien de mecs, là? J'arrive pas trop à comprendre là, ce qui est en train de se passer, là. Y'a beaucoup de mecs, là. Je ne comprends pas d'où ça me tire dessus. Ok, ok, il est juste à côté. Aïe, ok, bah là je suis dans une sauce pas possible. Faut que je me casse très très loin très rapidement. Oh, meilleur moment le kit, magnifique. Okay, donc je crois qu'il y a deux mecs. Reste tranquille, je vais te calmer. Game de placement, allez hop. Direction le bronze. Ça va te détendre un peu. Et alors là, faut rester sur le qui vive, à tout moment il y a un ratus qui est en train d'attendre. On les connaît les rats. J'en suis moi-même un parfois. Ok, fort de poche, ça on va le prendre, à défaut d'avoir des répulsives. Au moins s'il y a un mec caché, on va pouvoir se couvrir. Eh si. Et si, comme tout bon ratus qui se respecte, il y a un mec. Eh ben merci pour le médaillon mon pote, hasta la vista baby. Et il avait pas l'air d'avoir beaucoup de shoot, donc lui on peut peut-être le récupérer gratuitement. On va te faire sortir de ta cachette frérot. Après là s'il était prêt à camper pendant 3 quarts d'heure au médaillon, je pense qu'il doit être caché je sais pas où. Donc je sais pas si c'est le meilleur plan de le chasser ce mec là. Je sais pas si c'est le bon plan. Hein quoi? Ok, alors j'ai rien compris à ce qui vient de se passer mais tranquille. Au moins il s'est barré. Vas-y direction l'île, mais je vais quand même checker. Je me sens obligé, mais frérot, c'est tellement pas le bon plan de checker ça. À tout moment, il est caché dedans. Le médaillon, il a pas l'air de récupérer l'île. Ça m'arrange. Par contre, ah si, il y a quelqu'un qui est en train de la récupérer. Dommage, dommage. Ça m'arrange pas. Je serais bien allé modifier mon arme, mais en vrai, flemme. À tout moment, il y a un mec dedans. J'aime pas trop cet endroit. J'aime pas trop cet endroit, frérot. Il a découvert dans tous les sens. Il y a des bugs dans tous les sens. C'est pas le meilleur endroit où t'es là, tu cours tranquille en détente. Là, je peux te dire, j'ai les fesses qui sont serrées. Ouais, bah tant pis, hein, on va les attendre en zone, hein, on est top 15. J'ai que deux répus, ce serait bien de les garder pour la fin. Là-bas, ça se tire dessus. Ok, je peux peut-être récupérer là par contre. Ils ont l'air d'être en zone. Ouais, clairement. Impeccable. Viens là, jeune petit diamant. Oh, ça va faire des puntos en plus, c'est parfait. Quand tu tues un mec qui est plus haut rang que toi, ça fait plus de puntos, il me semble. Alors, à vérifier, je suis pas sûr à 100%. C'est bien pour ça que j'ai dit, il me semble.
Le médaillon, là, il est au niveau de l'île. On va le laisser tranquille. On va faire notre tas. Top 11. Il reste encore beaucoup de mecs à buter, là, par contre. Hein. On peut faire une belle petite game. Les deux bush là-bas. Oh, oui. Oh, ouais, mais il y a des bush partout, là. Ok, là, dans la maison, il y a un mec. Dans le bush, il y a un autre mec qui est en train de l'harceler. Allez, prends la fenêtre. Ah, je pensais qu'il allait aller dans la fenêtre. Ok, donc là-bas, il y a un mec dans le bush. On le sait. On va attendre la prochaine zone en détente. Ok, on a la prochaine zone. Magnifique. Ok, il est dans un fort. Il est dans un fort, alors c'est peut-être pas le meilleur moment d'y aller. On va passer par le bas. Je crois pas qu'on puisse remonter, c'est dommage. Par contre, en faisant tout le tour, en étant discret, il y a peut-être moyen. Ouais, en passant par là-bas. Ok, bah par contre, là, va falloir être discret plus plus. Ce que j'ai peur quand je suis en sneaky, c'est que j'ai le mauvais timing. Oh, mais attends. Non, c'est une blague. Non, j'ai dû utiliser mes deux répus. J'ai plus de répu. Oh, la grossière erreur. Normalement, par contre, j'étais censé pouvoir escalader, je comprends pas. Passer par le bas alors qu'il y a un mec en haut, je sais pas si c'est la meilleure idée. Surtout que j'ai le médaillon, donc il sait que j'arrive. Allez, faut le tenter. Ça va être le duel à pas rater. On part du principe que si je lui mets un crâne, il meurt. Allez, tranquille, tranquille. Soyons patients, soyons patients. C'est probablement le mec qui a les médaillons en plus. Faudrait que je le déloge. Oh, bah parfait. Et bah nickel. Oh, attends, j'ai un M-boat là, c'est pas possible. Les deux balnoscopes, je l'ai mis. Il est dans le bush. Let's go, impeccable. Par contre, frérot, je sais pas s'il est au courant que je lui avais mis deux balles, mais il doit pas voir sa barre de vie, frérot, là. Top 5. Top 5 et j'ai la position. Par contre, putain, là, c'est dommage. C'est le moment où j'aurais eu besoin des répulsives. Ok, lui, je lui fais peur, il va se barrer. Parfait. Non, oh, faut pas les rater, celle-là. Ok, il y a un mec dans le fort, là. Lui, faut que je le déloge. Non, dommage. Aïe, ça, ça fait mal, ça. Ok, nickel, il va se barrer. Parfait. Je vais pouvoir me remettre full. Top 3. Aïe. Nickel. Top 2. Je crois qu'il est parti dans la zone. Non. Let's go, mon petit. Top 1 encore en platine, validé. YouTube, on pense bien sûr au pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et la petite cloche de notification, seulement si vous êtes abonné. Vamos. Ah, et là, on a un peu plus de kills. Normalement, ça devrait plus payer, là. Bon, je pense pas qu'on va faire un rang entier en faisant un top 1. Mais je pense qu'on va accrocher le 50%. Il y a peut-être moyen. Allez, allez, mon petit. 69% plus 81%. Oh, ça, je reconnais. C'est... Oh, ça, c'est les diamants, ça. 3 diamants, frérot, forcément. Ça fait plus de puntos. Let's go. Allez, encore une bonne game. Et nous sommes diamants. Impeccable. Allez, let's go pour la cinquième game du coup. Ça va, on a fait 3 belles games sans retour au lobby. Les 3 games où je suis allé à mon spawn. La seule game où j'ai fait un retour au lobby. La game où je ne suis pas allé à mon spawn. Deuxième astuce de Sweeneyito. Trouvez-vous un spawn et ne l'abandonnez pas. Allez, vamos. On a 40% à faire. Je pense si on fait un top 10 avec genre 5-6 kills, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Donc on va se concentrer sur les kills. Si on part en mode confiant, normalement ça doit bien se passer. Là, en vrai, ça va. Hein. 3 grosses games, donc ça fait 20, 25, 25 on va dire. 50 plus 20, ça fait 70, donc 1h10. En vrai, là, je dois être à peu près 1h20. 1h20 de gameplay en platine. Donc si je gère cette game, on aura mis approximativement 1h30, 2h à passer diamant. Ok, on a juste ce qu'il faut en gold, c'est parfait. Allez, s'il te plaît. Yes! Du premier coup! Les golds, ça va me permettre de remonter à pile poil. Impeccable. À pile poil 200. On sera pas loin des 300. Il faudrait que j'arrive à avoir au moins 300 de gold à chaque fin de game. Comme ça, chaque game, au moins j'ai mon snipe. Ok, il me manque juste des forts ou des répulsifs, ce serait top. Et ensuite, on peut partir à la chasse. Et ça, c'est impeccable. On est full. Allez, on part à la chasse. Même si on n'a pas de mobilité, c'est pas grave, il me faut du kilos. On est déjà top 40. Elle est trop forte cette AR. Elle est trop forte cette AR, c'est abusé. Elle est beaucoup trop forte cette AR. En fait, le réticule, surtout quand tu l'as en violette, il est tellement faible. T'es quasiment sûr à 100% de lui mettre le noscope. T'es quasiment sûr à 100% de lui mettre. Donc 60 dégâts, c'est gigantesque. Et après, bah, tu bourrines au fusil à pompe. Et c'est nickel. Donc là, il y avait un mec, on le sait. Il doit pas être très loin. Ou alors, il doit être en haut de l'Olympe. On va rester sur le qui-vive. Ok, il est là. Ah, dommage. Non, j'étais sûr. Pourquoi je tire? Je savais que ça allait pas passer. Ok, donc là, il m'a vu. Là, il m'a clairement vu. Va falloir se la jouer fine. Lui, il reste là. C'est parfait, c'est pour moi. Des répus, c'est nickel. Je ne demandais pas autant. J'en demandais clairement pas autant, frérot, mais merci beaucoup, je le prends. Et lui, je sais pas où il est. Donc, on va d'abord se positionner et le repérer. Et ensuite, on le jouera. Ok, il a récupéré le médaillon. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On va pouvoir peut-être le récupérer. J'ai 4 répus, donc je peux en utiliser un petit peu. Putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Peter Griffin! Il me fait trop peur! Ok, on va aller au médaillon, tant pis si c'est un piège. Et alors là, si j'ai Zeus plus le médaillon qui fait des dégâts de loin, c'est parfait, j'en demande pas plus. Un petit sensu quand même, on dit pas non. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire, mais dans le sens inverse. Ok, bon, ça va, on va le mettre en confiance.
Et ensuite on va l'arroser. Ok, mauvais délire pour toi mon pote. Let's go. On a les deux médaillons. Ok, ça on récupère. Les gold on récupère pour la prochaine game. Et je vais jouer avec cette AR. Cette AR elle est vraiment trop forte. Et là mon pote on a un stuff de zinzin. Ouh, il y a le train. On va... Attends, je vais récupérer le train bien sûr. Bien sûr que oui, on va récupérer les puntos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça se trouve je fais complètement n'importe quoi. Si ça se trouve il n'y a plus de puntos. Mais j'imagine qu'ils sont encore là. Donc on va essayer de les pré-shot. Par contre il va mettre du temps à arriver, c'est pas très grave. On l'attendra à Reckless. Il y a la météo aussi. Par contre la météo elle est bien plus compliquée à faire qu'avant. Et j'ai pas de heal blanc. Donc la météo tant pis. Ce que je peux peut-être faire c'est attendre que le bot il meure de la zone. Et ensuite je récupère la météo. Ça peut être une technique de Ratus qui fonctionne. Ok let's go. En fait je sais pas si ça donne des puntos, mais si ça en donne, ça peut être pas mal à récupérer quand même. Ok impeccable. Allez go récupérer ça en vitesse. Normalement il y a un kit. Il est là, c'est parfait. Go tryhard à fond. Le kit on le met dans le bush. C'est pas grave si on a moins un PV. Si je suis vraiment rapide, il y a peut-être moyen que j'ai pas de... Bon oui impeccable en fait. Pourquoi je stresse? Pourquoi je stresse pour ça? Tranquille, il y avait pas de feu. Allez let's go top 12. On en a que 12 kills hein. Enfin que 12 kills. En vrai ça passe. C'est déjà pas mal. C'est toujours mieux que zéro. Les médaillons, je crois qu'ils arrivent sur moi. Ouais, je crois qu'ils vont en découdre avec moi. Eh ben j'arrive frérot, je suis ton homme. Surtout qu'il a deux médaillons, j'en ai deux aussi. La zone elle est quand même vachement élevée. Oula attention, ça venait d'où ça? Eh frérot t'as pas vu d'où ça venait? Ok de l'île. Bah go se barrer parce que sinon lui il va être loup. Je le sens. C'est toujours problématique de se battre avec un mec si jamais il y en a un autre derrière qui te tire dessus quoi. Oh oui, lui, oh oui, lui, j'ai... Oh oui, je sais reconnaître un mec casse-couille. Et là, on est en plein dedans. Dommage, parce que j'aurais bien récupéré l'autre, moi. J'ai mes deux répus pour Rota direct derrière. C'est parfait. On va éviter de prendre la faille, parce que lui, il va me harceler. On le voit arriver. Il est déjà en train. Il est à deux doigts de sauter dans le vide pour pouvoir me mettre une balle. Espèce de fou. Et les deux médaillons, ils sont là-bas. On va directement y aller, frérot. En plus, il y a la zone, c'est parfait. La prochaine, elle est encore plus loin. Ok, là, faut que j'arrive en haut de la montagne. Je vais en haut de la montagne, derrière le gros caillou, et je suis trop bien. Le médaillon, où c'est qu'il est? Faudrait que j'arrive à le voir. Ok, je crois qu'il est en voiture et il rota par là. Impeccable. Nice. Oh, tchoupapi. Oh bah là, je peux en vouloir qu'à moi, frérot, parce que j'ai vraiment répu pile poil dans l'acte. C'était vraiment... Allez, direction sa tête. Fuck you. Oh, il m'a mis un boulard. C'est donc ça ce que ressentent les gens? Au moins, je serai. Allez, envoie les puntos quand même. Magnifique. Je veux pas passer sur ça, s'il te plaît. Parfait. Impeccable. Impeccable. Comme ça, on a encore une petite game à faire ensemble. Nickel. Allez, c'est reparti, mon kiki. Allez, let's go. S'il y a bien un top 1 qu'il faut faire, c'est à cette game-là. Comme ça, si on peut commencer le diamant 1 avec 50%, ce serait exceptionnel. Petite question, j'y pense parce que je vais à mon spawn. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre spawn sur la map. Ça m'intéresse beaucoup, voir un petit peu où vont les gens. Je peux te dire, on va remarquer les mecs qui ont des couilles de taureau, frérot. Les enfers. Je vais aux enfers, frérot. Direction le médaillon sensu. Là où il y a tous les plus gros rats de la game. Qui sont prêts à attendre 30 minutes pour récupérer le médaillon. Bravo à vous, en tout cas, vous êtes des gens courageux. Go récupérer nos gold comme des ratus. Ça, c'est vraiment un move de rat, frérot. Je descends dans un coffre-fort juste pour récupérer 75. Et directement là, on part à la guerre, frérot. On a 2% à faire, alors on n'a rien à perdre. Soit on réalise la masterclass, c'est-à-dire faire un maximum de kills et le top 1. Soit, bah, tranquille, on passe diamant. Et l'objectif aurait été rempli. Deux top 1 plus le passage diamant, c'est magnifique. On récupère le coffre, vas-y. Oh, le tryharder, oh, ça y est, faut oser, frérot. Il a mis un fort pour pouvoir récupérer le coffre mythique. Non, mais on est où, là? C'est quel niveau de tryhard, là? Il a l'air un peu trop confiant, frérot. Bah, impeccable. Et où c'est qu'il est passé, du coup, le mec qui était dans son fort? Il s'est barré? J'ai l'impression qu'il s'est barré. J'attends pour rien, en fait, depuis tout à l'heure. Nickel. Attends, c'est quoi ce bug de zinzin là? Ah voilà, merci. Impeccable. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a encore du Ratus qui est en train d'attendre là. J'ai pas l'impression d'être le seul Ratus. Tu vois quand je te parlais de Ratus, par contre, frérot, t'as vu tes armes? Faut tirer avec. C'est pour tirer. Le spawn de Ratus, frérot. C'est quoi ce spawn de Ratus? Il aurait dû m'attendre ici. Il m'aurait attendu ici. Je l'aurais jamais vu. Ah mec. Le problème, c'est que j'ai pas envie de rester là une heure. Attends, mais comment je sors d'ici là? Ok, donc là, il doit pas être loin. Salut. Enchanté. Oh, pire timing pour lui. Frérot, on a eu la même idée de checker en haut. Il aurait regardé en bas, il m'aurait vu. Dommage. J'avais une petite seconde d'avance sur lui. Dommage pour lui, frérot. Et alors là, en vrai, l'Olympe, je vais pas y aller. Je vais directement aller à l'autre médaillon. Vu qu'en soi, je préfère, je pense qu'il est plus utile pour moi. Il y aura moins de chances de se faire back, je pense, vu qu'il est un peu plus à découvert. Oula, ça, c'est le pire endroit. Ça, c'est le pire endroit pour pouvoir spawn. S'il y a un mec dans le bush, je suis mort. Impeccable. Alors là par contre, ok, il y a déjà un Ratus en haut, on l'a vu. Ouf, nice. Ouh, ça met des pipines ça par contre. Ok, ça c'est pour moi, c'est cadeau.
Oh, magnifique. Oh, l'enchaînement, là, il était beau gosse. Putain, je pensais qu'il allait avoir moins de monde ici qui campe, mais apparemment, carrément pas. Oh, frérot, c'est abusé des médaillons d'arène. Et là, je peux pas l'engager, frérot. Je sais qu'il y a deux mecs. Nice. Ça y est, il faut mourir. Je peux même pas le rush, là, parce que si je le rush avec les ailes, il va me défoncer en l'air. Bon, par contre, là, je pense qu'il va monter en haut. Et là, avec le nombre de balles que je lui ai mis, je suis obligé de le buter, bien. Ah, eh ben, ok, ça va. Il est pas trop réactif. Ah, par contre, il a l'air de me suivre. Par contre, il a clairement l'air de me suivre. Va voir ailleurs si j'y suis. Allez, dégage. Let's go. Impeccable. Par contre, il a juste activé. Il a pas l'air de le faire. Non, on va peut-être faire cadrer. Ok, bon, c'est ciao. Hasta la vista, baby. Ok, vas-y, va faire ton bot, frérot. Je te laisse en paix. Enfin, ça, c'est ce que tu crois. Je te laisse en paix jusqu'à ce que je revienne. Impeccable. Et on récupère comme un ratus. Voilà, nickel. Pas besoin de se battre, il suffit d'attendre. Oh, dommage, j'aurais bien tenté un clip. Dommage. En plus, je crois qu'il est en haut, du coup. Donc là, j'ai perdu ma hauteur. Pas cool du tout, ça. Bah, faut que je retourne sur la bécane et que je refasse le tour. Allez, c'est reparti. Pas de pipine, pas de pipine, pas de pipine. Vamos. Oh, ouais, ça sent pas bon, ça. Ça donne clairement pas envie d'y aller. Ok, il va aller dans le bush. Nice. Je le tente. Let's go! Ne déployez jamais vos ailes, c'est la pire erreur à faire en no build. On a tous les médaillons, on a tous les médaillons. Je vais garder du heal, on sait jamais. Ok, y a pas l'air d'avoir grand monde. Ok, y a personne, parfait, j'ai les gold. J'ai les gold et j'ai les répulsives, impeccable. On peut être sur une très belle game. Choupapi. Oh, ce que je viens de lui mettre à lui, il était loin hein. Oh, celle-là elle est belle hein. Bon là, il est probablement heal. Allez, hurry up. Bordel, il m'a fait peur lui. Magnifique. Ok, ça c'était sûr. Je pense qu'il s'est barré. Oula, attention. Attention à la pipine par derrière quand même. Ok, là-bas il y a un autre bush. On va y aller direct. On garde une charge au cas où. Important. Ok, nickel. Allez, on est bien. On va rata par le bas pour éviter de se prendre une balle de snipe. Et ici, il y a l'air d'avoir beaucoup de mecs là. Ça se castagne depuis tout à l'heure. Oula, attention derrière. Ok, il y a l'air d'avoir beaucoup de gens. On va passer par la gauche du coup. Il faut que je fasse tout le tour. En vrai, c'est trop fort. En vrai, c'est trop fort le truc d'Hadès là. Nice. Aïe. T'étais pas prévu là, toi. Ok, toi, tu restes là. Ok, et lui, ok, c'est le mec du fort. Pas de problème. J'ai des forts, j'ai de quoi me couvrir. Fais attention, frérot. J'ai les médaillons. Je suis pas là pour déconner, mon ref. Et le mec du fort qui est descendu, magnifique. Nice. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Impeccable. Merci pour ton fort. Donc le dernier, il est en bas. Lui, faut qu'il remonte, hein, normalement. Faut qu'il remonte, donc... Ouais, il va arriver par là-bas. Il va tout sécuriser, frérot. Faut pas que je me fasse avoir par derrière. Je pense qu'il doit être dans le coin, là. Ok, là, faut que je l'aligne. Il a pas grand-chose pour se couvrir. Malheureusement pour lui. Nice. Merde, non, j'ai cru que j'avais le snipe, quel con. Let's go mon petit. Oh la masterclass, vamos. YouTube, désolé de vous le répéter, mais bien sûr on pense au pouce bleu, c'est la règle. Quand il y a un top 1, je suis obligé de le dire. On pense au pouce bleu, ça fait plaisir. La petite cloche de notification seulement si vous êtes abonné. Let's fucking go. Oh là, nous sommes diamants, c'est sûr. Mais maintenant, diamant, combien de pourcents? Oh, si j'arrive à voir les 50%, c'est exceptionnel. Allez, 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 allez. Oh, yes. Vamos, 61% déjà. Let's fucking go.